Alors que Grace vient d'abandonner Koh-Lanta, le feu sacré au profit de Quentin, l'aventurière a confié à Télé Loisirs quand et comment elle avait pris cette décision surprise, à l'issue des ambassadeurs. Un moment qui n'a pas été diffusé à la télévision. Pour les rares qui en doutaient encore, Koh-Lanta, le feu sacré n'a rien d'un parcours de santé. Abandon volontaire de Benjamin, un autre médical de Martin, larmes puis léger problème de santé de Clémence. Et enfin départ surprise de Grace ce mardi 18 avril. Cette édition du jeu de survie de TF1 met plus que jamais les corps et les nerfs des aventuriers à rude épreuve. Alors que la candidate de l'équipe jaune sortait triomphante face à Quentin lors des ambassadeurs, la mère de famille a finalement décidé de céder sa place au jeune charpentier. Le manque de ses proches était trop compliqué à gérer, nous a confié cette dernière. Grâce, Koh-Lanta 2023, évoque une séquence qui a duré une éternité reste que les téléspectateurs ont pu être surpris de la prise de parole inattendue de Grâce face à Denis Brognard et au reste de la tribu au moment où Quentin devait quitter le jeu. Quand cette dernière a-t-elle vraiment pris sa décision? La production était-elle au courant? Télé Loisirs a pu obtenir toutes ses réponses auprès de la principale intéressée. Sachez tout d'abord qu'après le duel des ambassadeurs, dont vous pouvez découvrir ici la durée réelle, Quentin et Grace ont été amenés sur une autre plage avant de monter dans un bateau qui les a ramenés auprès de la tribu réunifiée. Même si les aventuriers sont privés de montre, toute la séquence a duré une éternité, nous confie Grace. Koh-Lanta, le feu sacré, Quentin et la production étaient-ils au courant de la décision de Grace? J'ai demandé à ce qu'on m'envoie une personne de la production pour lui notifier mon envie d'abandonner. De retour sur le camp, on échange quelques minutes avec les aventuriers sur les ambassadeurs. Je parle à Esteban et Anne-Sophie car il était hors de question qu'on change la version des choses, dites lors de son duel face à Quentin, note de la rédaction, je voulais leur dire ce que je pense d'eux de ma propre bouche. Enfin, Denis Brognard arrivé à ce moment-là, ma décision est prise à 3000%, nous révèle Grâce. Enfin, sachez que Quentin a appris qu'il restait dans le jeu au moment de la prise de parole de la candidate, sur le bateau, je n'ai évidemment pas parlé à Quentin car on n'avait pas le droit. J'essayais juste de le rassurer en lui disant que tout allait bien se passer. Mais je crois qu'il n'a pas compris à tel blagué. À lire aussi, Elena révèle que le tournage de Koh-Lanta a fait exploser son couple, il ne m'a pas manqué.